Je regrette beaucoup cette erreur. Pourras-tu me pardonner un jour? Mais il ne s'appelle pas Roque, il s'appelle Bayardo Santa Cruz. Et cet homme est recherché depuis 10 ans pour avoir assassiné son épouse. Quoi? Qu'est-ce qui serait arrivé si je ne l'avais pas connue? Si je n'avais pas vécu avec elle ces 2 années, tu vois? Eh bien, rien. Elle serait retournée avec son mari et... Étant donné que vous avez passé un accord de manière informelle, eh bien, j'ai bien peur que cette affaire ait des retombées imprévues. Corinna, qui est celle qui a réalisé l'insémination, elle peut être accusée d'un très grave délit. Mais de quoi peut-on l'accuser? De pratique illégale. Et alors? C'est la prison.